Bah il est pourri de toute façon. Ok. On se casse. Et on va voir dans la salle secrète. Il y a un truc à récupérer là d'abord. Non, il n'y a rien du tout ici. Bon, on fonce, on fonce. 43. Prends de la lettre. J'aurais besoin de vous à mes côtés ce soir. L'atmosphère présente dans l'aile royale m'a convaincu que l'on était en sécurité nulle part dans le palais. Je ne pense pas que mon cousin emploiera la magie, mais cela ne me surprendrait pas qu'il prépare un nouveau combat. Comme mon enchanteresse de la cour n'est pas là pour m'aider, je m'en remets entièrement à vous et je ne peux me fier à personne d'autre. Mais qui était cette personne? Pavois de bandit. Il est stylé. Il est stylé, ça mériterait de balancer un truc. À prendre. Alors attendez, inventaire, armure. Putain, j'en ai deux. Voilà, on prend ça. Allez, on se casse. Je peux balancer ça ou... Qu'est-ce qu'il y a par ici? Pourquoi il y avait du sang d'ailleurs? Ça je comprends pas. Il est où le sang? Viens pas, ce grand-duc. Personne Gaspard, ne Persson. Ah ah. Espionnons. Rien d'intéressant. Tiens donc. L'inquisiteur. Eh oui, c'est moi. Qui doit sa présence parmi nous à mon neveu lui-même. Comme c'est étrange. J'ignorais que le grand-duc était votre neveu. C'est le fils aîné de mon frère. Gaspard a toujours été un enfant difficile. Il n'écoutait ni n'obéissait jamais. Il a été élevé comme un prince. Toute sa vie, on lui a rabâché qu'il deviendrait empereur. C'était son destin, son devoir. Que devrait-il faire de sa vie, hormis se battre pour accomplir son destin? Que pouvez-vous me dire sur la guerre civile? Si vous voulez des informations, vous vous adressez à la mauvaise personne. C'est une guerre, violente, terrible, mais parfois nécessaire. Il n'y a rien à ajouter. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ce soir? Florian, ma nièce, okay, ne m'a pas adressé la parole de... Une autre fois, monseigneur. Ah, on peut à nouveau espionner? Voilà qui devrait être utile. Bon bah voilà, c'est fini, enfin. Alors, approbation de la cour 46 seulement. C'est qui, lui? Philippe devrait être revenu depuis des heures. Il fait du charme à une domestique pendant que moi, je m'occupe de Gaspard. Comment ça? Il y a un problème avec Gaspard? Le grand-duc en veut au conseil de lui avoir refusé la couronne. Il les a menacés de mort s'il le refoulait à nouveau.
les uns après les autres, jusqu'au dernier de leurs vassaux. Ah merde. De quel trou débarquez-vous? Tout le monde sait ça. Vous feriez mieux de filer, étranger. Ça fait des heures qu'on est sans nouvelles. Il est allé dans l'aile des serviteurs. Personne n'en est sorti de la soirée. Je vais dire à Briala qu'on a un souci. Vous avez entendu ce que Gaspard a dit au duc Germain? Son oncle tout... Cet accès est fermé. Merci d'utiliser l'entrée principale de la salle de bal. Je ne te parle plus de la soirée. Si tu y tiens... Tiens, tiens. Qu'est-ce donc ? Le bal vous plaît, Inquisiteur ? C'est la première fois que vous venez à la cour, n'est-ce pas ? Je suis Dame Marcellette, historienne à la cour de Sa Majesté Impériale. Êtes-vous ici pour faire la chronique de cette soirée pour la postérité ? Oh oui, c'est un événement historique. La première rencontre entre le Grand-Duc et Sa Majesté depuis le début de la guerre. Même si les négociations échouent, et j'espère que le Créateur nous en préservera, c'est un moment important dans l'histoire de l'Empire. Bonne soirée, Dame Marcellette. Une autre fois, peut-être. Iron Bull, ok. Espionner encore. J'aurais jamais cru ça. Pff, croire quoi ? Le mec il crie dans un micro. Laissez-nous. Y'a personne à qui causer ici, mais c'est incroyable, on peut pas gagner. J'ai perdu en plus. Oh là là, j'ai perdu de l'approbation, ça me saoule. Comment on peut en regagner là ? Et quartier des serviteurs. Verrouillé. Fait chier. C'est verrouillé. Tiens, c'est pas par là. Peut-être de l'autre côté. Qui Orzammar soutient-il dans les négociations de ce soir ? Mais ici tout est fermé, c'est relou. Les pièces à l'étage L des invités. Gaspard perd son temps. Il n'arrivera jamais à convaincre le conseil des messagers. Il aurait dû y penser avant de les menacer de réduire leur maison en cendres. Une autre fois, monseigneur. Deux lancers sont ici? Par le Créateur, j'espère que non. Ah ah! C'est fermé. Nous ne pouvons qu'espérer que Selene remporte les négociations ce soir. Gaspard nous mènera à notre perte.
Ah, ça y est, c'est enfin ouvert. Oh, ils sont tous morts. Ah, la vache. Je dois rentrer avant que mon absence ne se fasse sentir. Ils ont tous crevé. Tiens, la cloche. Je ferais mieux de retourner au bal. C'est clair, qu'est-ce qui se passe ? Gaspard perd son temps. Il n'arrivera jamais à convaincre le conseil des messagers. Il aurait dû y penser avant de les menacer de réduire leur maison en cendres. Alors attendez, au niveau des quêtes, on en est où ? Donc, tout ça c'est fait. Fouiller les quartiers des serviteurs, retourner dans la salle de bal. Approbation de la cour, ok. On s'en fout de l'approbation de la cour. Quasiment, ça sert à rien finalement. Je pensais que ça servait à quelque chose, mais que dalle. Bon, le truc des serviteurs, s'il vous plaît. Clé des quartiers des serviteurs nécessaires. Mais où est-ce que je la trouve, cette putain de clé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi ? Le mec, il l'a avalé et puis il l'a chié, quoi. C'est pas possible. Deuxième sonnerie. Je suis juste assez en retard. Ah, parce que c'est chronométré ? Elle est où la clé des serviteurs ? Fucking clé, quoi. Un mec qui s'est dit bon bah on va faire en sorte qu'il trouve jamais la clé. La clé en fait elle est forcément cachée dans un buisson ou je sais pas quoi. C'est ça qui m'énerve. On s'en fout de la salle de bal. Tout ce que je veux moi c'est trouver la clé des serviteurs. Troisième sonnerie. Je vais vraiment me faire remarquer. Ah putain il fait chier, on est obligé d'y aller quoi. Ah oh, casse les couilles. Ça va bugger. Ça m'énerve. Le jeu qui se met à bugger quand on n'a pas besoin de bugger quoi. Ah là 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 là. Dix minutes de chargement. Le mec il est en retard. Mais transféré dans l'espace-temps pour revenir en arrière, etc. Donc finalement il est toujours en retard. Un processus infini. Allez! Ah voilà, ça y est, purée, la salle de bal s'il vous plaît, voilà. Eh bien, qu'avons-nous là ? Qui c'est celle-là, encore ? Le chef de l'Inquisition, messager légendaire de la foi. Enfin. Libéré de l'emprise de l'immatériel par la main d'Andraste en personne. Mais que fait une telle éminence à la cour impériale ? Je me le demande. À ton avis ? Le savez-vous vous-même ?
Comment le savoir? Encore une intrigue de la cour. Ces intrigues dissimulent beaucoup de choses, mais pas tout. Je suis Morrigan. On m'appelle conseillère des affaires mystiques de l'impératrice Selene. Non! Vous semblez être très occupée ce soir, à inspecter le moindre recoin sombre du palais. Nous poursuivons peut-être la même proie. Je ne savais pas qu'on m'observait d'aussi près. Tous les regards sont sur vous, inquisiteur. Vous faites de l'ombre aux problèmes plus essentiels. Comme ? L'intrus que j'ai récemment trouvé et tué ici, dans ce hall, par exemple. C'était un agent Tevinted. Prenez ceci, inquisiteur. C'est une clé trouvée sur le corps du Tevinted. Je ne sais pas où elle mène. Mais si Selene est en danger, je dois rester auprès d'elle. Allez mener l'enquête. Si vous voulez des réponses, venez m'aider. C'est impossible. Pour des raisons évidentes, Selene a besoin de moi à ses côtés. Putain, ce soir. La seule bonasse du jeu, on peut pas l'avoir. Faites quoi. Attention. Les ennemis sont nombreux. Et ils ne sont pas tous du même ordre que les Tevinted. Ce qui nous attend s'annonce passionnant. Eh merde. Alors attendez, c'est la clé des serviteurs en fait. Non, c'est pas celle-ci. En bas, ici. Les serviteurs. Yeah. Ça pourrait valoir le coup d'œil. Faut tracer. Faut tracer. Il ne reste plus beaucoup d'approbation. Magister Gireon Alexius. 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 Ah là là, on dirait un nom romain. D'ailleurs, je vous prépare un petit truc sur Rome. Enfin, si j'ai le temps. Ah là là. Pourquoi tuer les serviteurs? Ils n'étaient pas armés. Il doit s'agir des elfes que les hommes de Briella cherchent. Ils ont tous crevé, comme des chiens. Ils ont pas un méchoui géant. Prends tout. Et je prends tout. Ok, d'accord. Sorcière ou quoi dans le coin? Oh la vache, ils sont tous morts! Dans les jardins, c'est là où on était tout à l'heure? Il doit y avoir quelque chose ici. Oh! Putain, ça m'a fait trop peur. Ce n'était pas un serviteur. Que faisait-il ici? Il n'est pas mort! Est-ce que. Ce ne serait pas les armoiries de Gaspard sur le fourreau de cette dague? Je crois qu'il est grand temps d'aller voir le duc. Ah ! Des agents Venatori ! Ce doit être la chef des Venatori. Ouais, j'ai plus d'armure. Je peux pas m'équiper. Je peux pas aller dans mon inventaire. Ok, d'accord. Thank you.
ne se fasse sentir. Voilà comment on réduit en centre des incivilisés. Ça y est, on les a eu là ou quoi? Les Venatori surveillaient l'endroit. Ils sont organisés. Putain! Et en plus, ils fondent. Ils fondent au soleil. Plus de potions. Quoi. Alors attends, que je t'équipe un petit peu. Voilà. Le mage. Voilà, c'est réglé. Au suivant, messieurs dames. Putain, le problème c'est que faut aller vite. Faut aller vite, donc j'ai pas le temps de tout lire. Par ici. Oh, l'archer, il va faire mal. On fonce, il y en a encore plein à dégommer. Attention, il y a de quoi faire. Dégage de ma route.
récupérer les rats. Non, c'est pas par là. Alors si c'est pas par là, c'est donc derrière toi. Ça je prends. Voilà. Un peu d'expérience, ça fait du bien. Où est-ce qu'il se cache l'Harlequin? Harlequin, où es-tu? Putain, ce chapeau de mage. Je peux pas le prendre. Ok. Inventaire, balancer un truc. Armure toute moisie. Hop, voilà. Non mais... pas possible. Casque du griffon, il a l'air tellement stylé. Ça va me détruire. Votre inventaire. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Mon inventaire il est pas plein, il t'emmerde. J'ai détruit mes trucs pour rien, fais chier. Oh la salope. Incroyable. Où est-ce que c'est ce passage là? T'es par ici. Tac tac tac, lire. Pam 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 pam. C'est trop long. Trop long pour te faire des vidéos ça. C'est juste incroyable. Escalier, escalier qui mène. Qui mène où? Dans ton cul. Non. Il y a encore des mecs par ici. Dégagez. Ok. Je ferais mieux de regagner la fête. Bah ouais, mais attends, on arrive à la fin. Attention! Pour rien, super. Je suis mort. Putain.
peut-être des trucs à récupérer. Hein. On va se taper les mecs. Ok. Par ici, repliez-vous. Ah putain, ils sont 5. Le guerrier. Je dois rentrer avant que mon absence ne se fasse sentir. Blessé. Hop, voilà, sauvé. Ah putain. Chier. Et j'ai pas envie de tout recommencer, ça me saoule. Ah, j'ai pas sauvegardé au bon moment. Faudrait trouver de la vie. Alors essayons de trouver de la vie avant de continuer parce que là c'est trop chaud. Ok. Y'a pas des provisions quelque part? Oh putain, c'est quoi ça? On a fait le tour. Débusquez-les. On peut pas juste sauter par là, là. Ok, et je remonte comment en fait? Oh oh. C'est peut-être pas une bonne idée, hein. Rentrer avant que mon absence ne se fasse sentir. Je sais pas par où faut passer. Ah, y a encore plein de mecs par là. J'avais pas vu tout ça en fait. Putain. C'est où qu'il faut aller la carte? Donc c'est au-dessus. Oh là là. Pas des provisions quelque part? Ah voilà, cache de matériel. On sauvegarde ici maintenant. Sauvegarder. Hop. C'est bon, on a réussi. On peut laisser les faire maintenant. Bah c'est là qu'il faut passer. Ok. On y va, on fonce dans le lard. Préparez-vous au combat, messieurs, ça va gicler de tous les côtés. Après ça passe ou ça casse, hein. Sincèrement j'en ai rien à branler. Il y a les caisses à péter. Bon. On y va. Let's go to the fight. Je vais juste vérifier un truc. Ah non, trop tard. Je me replie.
protéger le magicien. Transpire vos âmes. Suce jusqu'à la moelle. Tiens, vous ici. Et t'es qui, toi ? Donc, Beach, vous êtes l'inquisiteur Trevelyan. Je vois qu'ils ont réussi à vous dégriser et à vous habiller pour l'occasion. Je crois que nous n'avons pas été officiellement présentés. Je suis l'ambassadrice Briala. Joli coup, ambassadrice. La diplomatie orlésienne à l'œuvre, cher ami. Cool. Bienvenue à la cour impériale. J'adore leur diplomatie. Vous avez fait un carnage. Ça va prendre des semaines pour nettoyer le marbre de tout ce sang. Je suis venue sauver ou venger mes frères disparus. Mais vous m'avez devancé. Donc, l'émissaire du conseil des messagers dans le jardin, ce n'est pas vous, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous feriez si c'était moi ? Eh bien, je ne vous croirais pas, pour commencer. Vous êtes peut-être arrivé avec le Grand-Duc, mais vous n'avez pas l'air de faire ses basses besognes. Je savais qu'il faisait entrer des berruyers en douce. Mais tuer un émissaire du Conseil, introduire des assassins Tevintit dans le palais, ce sont des actes désespérés. Gaspard doit prévoir un coup pour ce soir. L'impératrice doit être informée de ce qui se passe. Essayez, vous. Elle ne croira à rien qui viendra de moi. Je vous ai mal jugé, Inquisiteur. Vous pourriez bien être un allié de poids. Qu'est-ce que vous feriez avec une armée d'elfes espions à votre service ? Pensez-y. Je vais réfléchir à une alliance. On peut s'entraider, Inquisiteur. On est tous les deux des étrangers, après tout. Je sais dans quelle direction souffle le vent. Je suis prête à parier que vous ferez partie des négociations de paix d'ici demain. Ah oui, tu crois et ça ? Et si vous penchiez légèrement de notre côté, ça pourrait nous servir à tous les deux. Ce n'est qu'une idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté de l'impératrice, ils ont de très bons... C'est normal qu'il n'y ait pas une personne à cette soirée qui n'a pas essayé de nous soudoyer. Avec tous ces coups bas et ces manigances, ouais, on se casse. Je me sens comme à la maison. Une statuette, merci. Ouh, trancheuse en croissant. Je peux pas les prendre. Il y avait une porte que je pouvais pas ouvrir tout à l'heure. Elle est où cette porte ? Elle était là. Pas assez de statuettes. Bon bah du coup elle est où la sortie en fait ? Par là. Ok. Et c'est quoi l'autre truc ? Ça c'est quoi ça ? Retourner dans la salle de bal et ça c'est quoi ? Ok, c'est deux sorties possibles. Il devait y avoir des méchants. À votre service, Inquisiteur. Suce-moi les boules. Merci, Inquisiteur. Nous retournons à la fête.